Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, à mon avis, va en aider plus d'un. Je pense que tout le monde a déjà essayé d'utiliser Display Recorder pour se faire plaisir en faisant des vidéos sur votre IDVis, que ce soit sur un jeu ou que sans quelconque en fait, et qui a été déçu du résultat parce que ça laguait ou parce que tout simplement la qualité n'était pas bonne. Et en fait, c'est dû à la configuration de départ de Display Recorder qui n'est pas bonne et qui fait que le rendu n'est pas bon. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la configuration que j'utilise pour que le rendu soit bon, que la qualité et la fluidité soient bonnes. Et on va donc s'attaquer directement au problème. Donc on va à réglage. Hop, là vous voyez, hop, dans réglage. Vous voyez Display Recorder, donc c'est les réglages de Display Recorder. Vous allez dedans. Et donc là, vous aurez frame rate, donc qui est le nombre d'images par seconde ou la fluidité. Donc de l'image, de la qualité de la vidéo, enfin voilà. Donc moi je le mets au maximum, mais en fait je vois pas vraiment la différence entre maximum et minimum. Donc si vraiment vous voyez une différence sur votre iPod quand c'est au milieu, vous pouvez y mettre, de toute façon au niveau de la qualité elle-même, ça changera pas grand chose. Mais moi je le mets au maximum, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Donc verrouille frame rate, on n'y touche pas, voilà, on s'en fiche. Alors rotation, alors là ça va être le plus important, rotation. Ça sera native de Beast Orientation, donc ne touchez pas à ça, parce que si vous mettez portrait et à l'envers, bon voilà, aucun intérêt, mais si vous mettez paysage à gauche et paysage à droite, vous aurez l'impression que la vidéo, que vous arrivez à jouer en fait, en même temps que vous enregistrez, vous pourrez jouer ou faire je ne sais quoi, mais au rendu, ça sera invisionnable, tellement ça laguera. Donc je vous conseille vraiment de laisser Native Device Orientation. C'est même pas je vous conseille, c'est laisser Native Device Orientation. Alors je sais que ça posera problème pour ceux qui veulent faire des vidéos et où ils sont obligés de tourner leur écran, c'est-à-dire pour les jeux, etc., vous aurez au rendu une vidéo où vous devrez tourner la tête. Donc c'est aussi invisionnable. Mais je vous montrerai, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, comment faire pour... ce sera une petite astuce, en fait. Comment faire pour que on soit pas obligé de tourner la tête pour que la vidéo soit visionnable tout en gardant Native Device Orientation. Voilà, j'attendrai ça dans vos commentaires. Donc maintenant, en format vidéo. Donc format vidéo H264, voilà, micro, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez mettre aussi sans micro, hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voulez, vous savez ce que vous voulez faire. Voilà. Alors maintenant vous mettez la qualité de la vidéo. Pour moi c'est aussi important. Je vous conseille fortement faible, parce qu'entre faible et moyen, il n'y a pas beaucoup de différence. Et après haute, c'est un peu impossible de mettre, parce que au bout de 2 minutes, je crois, d'enregistrement, vous avez 1 giga d'utiliser. Donc vraiment, pour une qualité qui n'est pas extraordinaire, entre la différence en fait qu'il y a entre faible, moyenne et haute, je vous conseille vraiment de mettre faible. Voilà. Maintenant vous avez donc capture OpenGL, ça sert absolument à rien. Voilà, niveau de gris, voilà, c'est pas la peine. Échelle, c'est demi-écran ou pas. Afficher les tabs, donc on va tout de suite le mettre. C'est ça en fait les tabs, c'est voilà, le truc qu'on voit là. Qui permet voilà de montrer en fait ce qu'on fait. Hop, vous avez aussi large. C'est un peu horrible, c'est très laid, donc je ne le mets pas personnellement. Hop. On l'enlève. Et vous aurez donc le serveur web qui est en fait qui vous permettra de regarder les vidéos sur votre ordinateur enregistré sur Display Recorder grâce à l'adresse IP que vous pouvez trouver donc dans réglages Wi-Fi, et vous tapez sur la petite flèche bleue et vous verrez apparaître l'adresse Wi-Fi. Vous tapez ça dans la barre de votre ordi et vous devrez tomber sur les vidéos de Display Recorder. Alors méthode d'activation, c'est tout simplement la méthode que vous utilisez pour commencer à enregistrer. Donc moi j'utilise appuyer et maintenir le bouton de V, je crois que c'est celui-là par défaut, et puis c'est très bien, je trouve ça, voilà, je n'ai pas touché, ça me paraissait plutôt simple, donc hop, je n'ai pas touché. Et là, donc votre contenu joue pour envoyer vos vidéos directement sur YouTube. Donc, je vais vous montrer vite fait, voilà, framerate au maximum, rotation Davis, voilà, format vidéo H264, qualité vidéo faible, comme vous pouvez le voir, la qualité n'est pas mauvaise, hein. Échelle pleine, afficher l'étape, voilà, c'est vous qui voyez, et voilà. Donc en gros c'est ça. Donc si vous faites exactement comme ce que je vous l'ai dit en fait, ou comme ce qui est voilà, comme là, je pense que vous devrez être assez quand même satisfait du résultat. Je pense que vous serez assez content. Et puis n'hésitez pas à partager, laissez un petit pouce vert et abonnez-vous. Voilà, merci à tous, ciao ciao.